Bonjour, je m'appelle Jean Mestre-Cochot. Je suis directeur de la pourvoirie Hippo à Natashquan. La pourvoirie, c'est une entreprise du Conseil de Vannes et on opère la pêche au saumon, le saumon de l'Atlantique. Nous avons deux auberges, deux camps. Le premier camp peut accueillir jusqu'à 10 pêcheurs à la fois. Le camp numéro 2 peut accueillir 8 pêcheurs à la fois. Il y a des forfaits en plan américain d'un séjour de 3 à 5 jours. Et il y a des forfaits également en plan européen. Le plan européen, c'est tu amènes ta nourriture, ta bouffe, c'est toi qui prépares ta nourriture. Tandis que la pêche américaine est le forfait tout compris. Ça comprend l'hébergement, les repas, le guide, le droit d'accès, le bateau, l'essence, également la boîte isolante pour le saumon. Nous offrons également la pêche journalière et nous offrons également la pêche qu'on appelle le plan européen. Également, nous offrons la possibilité de pêcher à la demi-journée ou à la journée. Il y a 3 secteurs de pêche. Il y a le secteur qu'on appelle secteur rivière morte. C'est en amont de la chute numéro 1. Dans le secteur rivière morte, nous avons environ 6 fosses à saumon que les 6 pêcheurs font une rotation entre eux autres. Également, au camp numéro 1, nous avons environ une quinzaine de fosses qu'on exploite au camp numéro 1. On fait également la rotation des fosses avec des pêcheurs sur place. Normalement, les cannes à pêche, c'est de 8 pieds à 9,5. C'est ce qu'on recommande ici. Mais il arrive que des pêcheurs pêchent avec des cannes de 14 pieds. Pour la mouche, au début de la saison, plus la rivière est froide, plus tu emploies les mouches les plus grosses. Les noms que je peux vous mentionner, ce serait la Modeler Minnow, Cossebum, Green Butt, Green Islander, Grizzly King, Mickey Finn. C'est les mouches classiques qu'on appelle. La grosseur peut varier de 2, 4, 6 et 8. Plus la saison avance, plus la rivière est chaude, plus tu emploies des petites mouches. En plus de ça, tu peux pêcher à la sèche quand le niveau de la rivière est basse et également quand la rivière a une température plus élevée. Les sèches, c'est à recommander. À la demande du client, nous pouvons préparer soit de vider le saumon ou le faire enfiler selon la demande du client, soit qu'on le congèle tout entier. C'est selon la demande de notre clientèle. Au camp numéro 2, on pêche en bas de la chute numéro 2, on pêche la chute 3 et la chute 4. Thank you.
La pêche débute normalement en début juin pour se terminer fin juillet ou début août à la pourvoirie. Plus le saumon avance, plus nos pêcheurs suivent la migration du saumon pour aller pêcher jusqu'à la chute numéro 4. Le départ normalement se fait vers 8h ou 9h des avant-midi. Pour le lunch du dîner, vous lunchez en plein air à la chute numéro 4. Vous aurez la chance de manger du saumon frais de votre capture au bout de la journée. Chute numéro 4, il y a une fosse qui est un petit peu plus difficile à pêcher. C'est parce qu'il y a des caps de roche, il faut faire des acrobaties pour sortir notre saumon à cette fosse-là. C'est vraiment spécial, cette fosse-là. Grandement à venir nous visiter à la pourvoirie. C'est au bout de la route 138. Après ça, il n'y a pas d'autre chemin sur le paradis. Vous seriez traité comme vous a jamais traité. Et on vous invite à venir nous voir.